Ok. Voilà. Alors là, pour installer, j'ai dû de toute façon détendre un petit peu le. Enlever. Ça. Défaire un petit peu le frein, le cylindre, parce que sinon ça passe pas. Pour un petit peu de mou. Parce que sinon c'est pas évident pour se centrer. J'arrive dedans. Et là on essaye de chercher. Possible de monter à la main une longue partie. Voilà, là, je suis dedans. Du coup, maintenant je peux resserrer mon cylindre. Voilà, là, c'est en place. Et j'ai juste besoin de remettre le ressort en place et puis il n'y a plus qu'à remonter après le tambour dessus. J'ai tout coupé, j'ai enlevé le morceau qui restait et ça donne ça. Oh, maintenant je continue. Bon, là on va. Ça, c'est le morceau que j'ai découpé. On va en refaire un nouveau. Du coup, j'ai du cuivre. On va le prendre là. On va prendre la même longueur. Puis on va pas se faire chier. On va faire 1 cm de plus. On prend l'outil pour couper. Du coup, on coupe. La lime. Là, j'ai coupé un morceau de cuivre. Alors, je le mets dans ce petit étau. Taille 3/16. Est-ce que c'est du 3/16? Ouais, hein. Ok. Bien, regarde. Ok. La surface n'est pas trop moche. Ok. Donc, une fois qu'on est là, on met ça par-dessus. J'ai une espèce de petit étau que je mets avec une pointe dedans. Donc ça fait à peu près comme ça. Et
On serre jusqu'au bout. Voilà. Donc je desserre. J'enlève l'embout noir et du coup on utilise seulement la pointe. Comme là c'est droit. Ok, et on serre de nouveau. Et voilà. Hop, je défais. Voilà. Mon embout avec la petite collerette qu'il faut. Voilà, donc la rallonge que j'ai faite, ça ressemble à ça à peu près. Ok. Ouais, ça se passe. Je suis vers la fin. Je suis vers la fin. Ouais.
Ok, et là, un clic 15. Et voilà. Non, on fait la deuxième.